Mon cœur. On me l'a confectionné le jour de ma naissance. On dit que je suis né le jour le plus froid du monde et que mon cœur a gelé. C'est un peu bricolé, mais ça marche. Allez, Christophe Colomb, prêt pour la découverte ? Je m'habille ! On y va ! Wow ! Il y a trois règles que tu ne devras jamais oublier. Ne pas toucher à mes aiguilles. Mais aussi maîtriser ta colère. Je sais, mon cœur ressemble à un jouet, mais on ne doit pas jouer avec. Et la troisième, tu ne devras jamais tomber amoureux. Qu'est-ce que c'est que ce bruit là-bas ? Tu ne seras pas en train de nous couver quelque chose, toi. Tu sais bien que c'est interdit. Interdit. Jack ! Qu'est-ce que tu lui as fait ? Tu ne connais pas une chanteuse minuscule qui se cogne partout ? Elle s'appelle Miss Acacia. Et personne n'a le droit de parler d'elle, sauf moi. Tu n'es tout de même pas tombé amoureux d'elle, toi aussi. Un peu. Vous savez, Monsieur Méliès, j'ai rencontré une petite chanteuse. Ce sont des choses qui arrivent. Oui, mais quand je l'ai vue, j'ai eu très peur que mon cœur s'arrête. Tu as envie de vivre la grande aventure avec cette fille ? Je crois qu'elle est à Grenade. Jamais je n'ai autant ri que pendant cette fabuleuse chevauchée. Moi qui vis avec une horloge dans le cœur. Et qu'est-ce que c'est ? Un bouquet de lunettes. Ce ne sont pas mes fleurs préférées. Il était une fille tout en talons aiguilles, cœur de cactus. Il était un homme horloge qui s'était réglé par amour, comme toujours. Je m'attendais à affronter un adversaire plus coriace. Tu ne la mérites vraiment pas. Résisteront-ils au bonheur ? Jack et sa mécanique du cœur. Résisteront-ils au bonheur ? De retrouver Miss Acacia.